travailler avec moi. Apprenez à sentir qu'est-ce qui se passe dans les mains. Les chaleurs, c'est l'image des mains, les vibrations dont je vous ai parlé. Les bras bien placés, les points d'appui, les stabilisateurs, les reins, tout ça c'est délicatement souple. Et le mouvement des mains, un genre de mouvement antéro-postérieur jusqu'à faire bouger la poitrine. Et l'expiration toujours la même. Et l'inspiration verticale. Relâchez tout le haut. Ce mouvement aura aussi pour conséquence que les tensions du niveau supérieur qui font monter votre centre de gravité dans votre poitrine, vos épaules, votre gorge, descendent tout dans le bassin. Hey. Hey. Ce mouvement du bas a engendré une onde vers le haut. Donc le haut est projeté ici. Puis ensuite, on attrape comme ça, comme si c'était des rames, auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce détendu. Et on commence par le bas. On pousse ici la base des orteils du pied avant. Puis ensuite, on tire avec la musculature postérieure le pied, les reins. Puis on tire les bras et on verrouille bien. On relâche, on expire, le bras avance, le pied et les bras. C'est différencié. Le bas avant le haut. Toujours le bas avant le haut. C'est l'expiration qui génère le mouvement. Pas d'expiration, pas de mouvement. Ça n'a pas de sens si on fait ça. Vous voyez ? Même si je faisais synchroniser, oui, je fais synchroniser. Je n'ai pas de souffle, ça n'a aucun sens. Je suis horizontal, je ne vais pas évoluer. Si maintenant je reprends et je fais avec mon souffle, là c'est centré, là c'est puissant, là c'est vertical, là c'est décidé. Videz complètement au haut, à l'optimum que vous pouvez. Allez, développez à partir des psoas, des ailes. Gardez bien le bassin maintenu avec les lombaires. Ce sont les dorsales et les cervicales. Ils vont se relâcher les mâchoires aussi. Inspirez puissamment devant. Expirez, inspirez dans le dos pour revenir, fermez la bouche. Grandissez et videz. À partir des épaules, allongez jusqu'au bout des ailes. Le diaphragme descend, ça va renforcer le cœur et la circulation sanguine.